Salut à tous, à toutes, c'est Caoutchouc, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, devine ma draft, qu'est-ce que c'est les gars? Je vais lancer une draft en ligne, je vais faire mon équipe devant vous et vous, vous aurez 2 jours pour deviner quelle étape je vais m'arrêter. Donc 0 victoire, 1 victoire, 2 victoires ou 3 victoires. Bien sûr, moi je serai le résultat à l'avance. Avant de poster ma vidéo, je tirerai au sort une personne qui a fait le bon pronostic. Soit j'ai un joueur qui vaut plus de 10 000, il partage avec moi la somme. Si c'est un joueur à 100 000, ben on a 50 000 chacun. Si j'ai pas de joueur dans mes packs, bien sûr les packs j'ouvrirai dans la vidéo, je lui donnerai 10 000 quoi qu'il arrive. Donc voilà les gars, je fais mon draft à 15 000 crédits. J'espère que vous avez compris. Donc là je vais faire mon équipe avec vous, je choisis ma formation. La formation, quelle formation je souhaiterais avoir? Je sors bien le 4-3-3. Donc je fais un petit 4-3-3. Capitaine, je vais prendre un petit De Bruyne. De Bruyne MOC 88. Attaquant gauche. Attaquant gauche, on va prendre le petit Cricri. Buteur. Le buteur pour moi c'est le plus important. C'est le plus important. Tiens, j'ai jamais essayé Mandzukic. Je vais prendre Mandzukic. À droite. À droite, Gareth Bale, Di Maria. Oh là là, j'ai du choix. On va prendre le petit Gareth Bale boost, les gars. MC. Un petit MC sympathique. Oh putain, il me donne. Hey. Oh bah ça va finir. C'est une draft de fou pour l'instant. Il me donne vraiment ce que je veux. Bien sûr, attends, on a des petites crottes, mais c'est pas grave. On continue avec le back gauche. Back gauche. C'est pas grave non plus. Défenseur central, pour moi ça c'est très important. Par contre, un petit PP c'est bon. Un autre défenseur central. Par contre là, je ne vois pas ce que je peux prendre. Bon, on va prendre lui, de toute façon on va le bouger. Défenseur droit, oh là là, oh là là. On va prendre Dani Alves. On va prendre Dani Alves. Gardien. Putain, je sais pas quoi prendre là. Eh mais qu'est-ce qui se passe, il me donne que du boost. Bon, on va prendre Trapp. En remplaçant, Leno, Farman, Lux, Kamini. Oh là là. Bon, je vais prendre Kamini. On verra bien. Il y a tout le monde qui se met à éternuer autour de moi. C'est pas grave. Alors, défenseur central, Socrates, Castan. On va prendre Castan, tiens. Pour mettre un petit trait ici. Pichek, Kurzawa, Kalil, Pichek. Kalil, Kurzawa. Je sais pas quoi prendre là. Bon, on va prendre Kurzawa parce qu'on a rien à gauche pour l'instant. Ensuite, Roberto. Tiens, j'aime bien Roberto. Je vais le prendre direct. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pereira, Marlos, Isco, Bruno, allez un petit Isco, je ne mets même pas là, ça sera pour remplacer. Reis, Pedro, Neymar, oh sale, on prend Neymar. Je connais personne. Ben Arfa, Thiago, Zano, Benzema, oh bah voilà. Mandzukic, je t'essaierai pas tout de suite, hein. Désolé. Ah et puis Mandzukic, oh putain, tu sais quoi, je croyais que Mandzukic il jouait en... en Angleterre, en Espagne. Putain, je suis vraiment con. Tito De Marcos. Bon, on va prendre De Marcos. Hein. On va le mettre là, De Marcos. Ruffier, Insigne, Pedro. Attends, si je mets Ruffier, non, ça change rien. Attends, Ruffier, Isco. Bon, tu sais quoi, je vais prendre quand même Ruffier au cas où qui me donne un bon défenseur central. Colomplan, Cotel, Wanyama. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, on va prendre lui, mais vraiment, histoire de... Giroud, Mané, Lopez, Hernanes, Michel Bastos. Bon, bon, on va prendre lui. Neymar, on va le laisser en remplaçant. De... Ah non, mais il y a De Bruyne, du coup, il me sert à rien dans l'équipe. Attends, ici, je fais ça. Hop. Hop. Il y a trop de collectifs. Bon, bon, on va faire comme ça, tu sais quoi. De Bruyne, on le fera rentrer en cours de match. Isco aussi. Et Mané, ce sera mon joker. Donc voilà. Hop, hop, on va prendre l'entraîneur, les gars. Bon, sur le papier, j'ai une très bonne équipe. Maintenant, je vous laisse 2 jours, les gars, pour faire votre prono. Et dans 2 jours, bien sûr, vous aurez la réponse à quel stade je suis arrivé à ma draft. Sur ce, n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires et bien sûr, votre prono. Allez, ciao tout le monde.